On n'achète pas un avion tous les jours. Forcément, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour Air Calédonie. C'est un jour particulier. C'est également un moment d'émotion de voir une nouvelle machine survoler le terrain. Et cette machine, on la mettra en pratique très, très prochainement. Ce jour, pour moi, c'est émouvant. Ce qui est émouvant, en fait, c'est de ramener un nouvel avion dans le pays, en fait. Hein, faire toucher les roues à un avion pour la première fois sans port d'attache, c'est toujours un sentiment assez fort. L'arrivée de ce quatrième ATR va nous apporter beaucoup de confort, mais après, en termes de rendement économique, il va falloir qu'on développe d'autres lignes. Je tenais à saluer toute l'équipe qui ont œuvré pour l'aboutissement d'un beau projet. Et tout le long du voyage, donc le premier trajet, on a fait d'Intré Bali-Darwin, 8 heures de vol d'affilée. Après, on devait se poser à Cairns, et il s'est trouvé qu'il y avait un cyclone à Cairns, donc on a contourné le cyclone, on est descendu jusqu'à Brisbane. 7 heures de vol hier, et ce matin pour traverser, 3h30, c'est ça? 3h30 jusqu'à Tantouta et 10 minutes pour venir à Nouméa. C'est sûr qu'il y a toujours une période d'appréhension, hein, puisque c'est une nouvelle machine, une machine qu'on ne connaît pas. Avec mon voyage, ça s'est très bien passé. On a réussi malgré tout à faire ce qu'on a voulu. L'avion a très bien fonctionné. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est forcément un investissement utile. Un investissement coûteux, mais nécessaire, puisqu'il s'agit quand même d'un investissement de près d'1,2 milliard. Donc ça a été à la fois un investissement financier, un investissement humain, mais surtout une expérience riche pour les équipes d'Air Calédonie. Je vous propose de visiter l'avion. Allez. Bienvenue à bord du le dernier né de la compagnie. Allez, venez. C'est une version 66 passagers. La cabine a été entièrement rééquipée, entièrement refaite. Maintenant, nous accédons à la partie de pilote, principalement. Ce sont des avions... on va dire qu'il y a un équipement pratiquement d'avion de ligne. Vous avez la manette de puissance, la manette des volets. Je pense qu'il représente un tournant, effectivement, et il représente également une volonté affichée de l'ensemble du personnel et de sa direction, des responsables politiques, de voir la compagnie Air Calédonie enfin prendre une dimension qui lui revient. Et notamment celle de service public, celle de continuité territoriale. On ne pouvait plus continuer l'activité uniquement sur la base de 3 appareils. Maintenant, le 4e appareil est là, donc ça sera beaucoup plus facile de réagir en cas d'incident technique sur un appareil, puisqu'on aura toujours un qui est prêt à partir derrière. Je ne fais que contribuer à renforcer cet esprit, cet état d'esprit d'entreprise, d'appartenance à une compagnie calédonienne qui a un véritable savoir-faire, qui a une histoire et qui a encore de belles années devant elle.